Et voilà, c'est le bordel. Mais j'expliquais pourquoi c'est le bordel. Parce que tout simplement, je pars à la Paris Games Week demain. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, en fait, il n'y a pas vraiment de stream, enfin de vlog. Je vous explique pourquoi. Je vais vous parler un petit peu de nouveau. En fait, je pars donc demain à la Paris Games Week. Vous avez vu tout mon planning normalement de vlog d'hier. J'ai streamé hier soir sur Twitch du Overwatch parce que c'était la sortie de la bêta. Et toute la journée, j'ai préparé les affaires, préparé le planning. Espérer que cette bêta arrive au bon moment parce que j'étais pas allé du coup à Paris pour ce stream de bêta. D'ailleurs, on a été pratiquement 2000 toute la soirée, c'était vraiment super cool. Ça me fait vraiment plaisir que autant d'entre vous aient apprécié ce stream. Donc là, je suis en train de pack toutes les affaires comme vous pouvez voir. Là, je pars en gros bah, demain de mercredi à dimanche. Donc, soit je rentre dimanche de Paris, soit je rentre lundi de Paris, donc je reviens à Genève. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, donc si jamais pour la Paris Games Week, si vous voulez savoir où je serai, à quelle heure, quand, comment, ce que je ferai, tout est dans le vlog d'hier. Je vous mets un lien dans la description, ce sera le premier lien à cliquer. Vous aurez tout le planning dans ce vlog-là. Et également, je vais normalement faire la Blue Box de Twitter. Alors, c'est pas encore sûr, mais normalement je vais la faire. Je sais pas si vous avez peut-être déjà vu, il y en a pas mal qui l'ont fait. Dernièrement, j'ai vu qu'il y avait Kev Adams, c'est. Et Gad Elmaleh, également Louane qui l'avait faite, et Frigiel qui est un youtubeur Minecraft aussi qui l'a fait, il me semble aujourd'hui. Donc voilà pour ce qu'il en est. Et en termes de vlog, je pense que je vais vous vlogger bah, globalement la Paris Games Week. Ça va me prendre déjà beaucoup de temps de vous vlogger tout ça. Un peu les événements, les rencontres, tout ça. Voilà, je sais pas trop ce que je vais faire, j'ai pas trop de choses prévues. Je pense que ça va être lever Paris Games Week, Paris Games Week maison dodo. Donc clairement. Ce sera pas ouf ouf entre les Paris Games Week. Ensuite, dernière chose que je voulais vous parler. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Surtout très important sur Twitter. Je vous tweeterai où je serai. Il y a des moments où je serai à des endroits, etc. Je vous dirai là, vous pouvez venir me voir si vous voulez qu'on fasse quelques photos. Si vous voulez discuter un petit peu. Donc n'hésitez pas à bien me suivre sur Twitter. Et surtout, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires de cette vidéo quel type de jeu vous aimez, quel jeu vous aimeriez voir, les ceux que vous aimeriez découvrir. Il y en a pas mal, Instanix seront disposés là-bas. Il y a du Ubisoft, enfin, il y a tous les éditeurs, vous connaissez Ubisoft, enfin, vous connaissez pas, je veux vous dire, il y a Ubisoft, EA Games, Activision, normalement je crois qu'il y a Blizzard, mais c'est pas sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel jeu vous voulez découvrir. Je sais qu'il y a pas mal de filles qui veulent notamment du Lara Croft, les mecs sont plus intéressés par Call of et les autres grosses nouveautés, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir. Je vais vraiment essayer de vous couvrir un maximum la Paris Games Week. Je pense que je pourrais faire un timelapse assez sexy là-bas, du coup, avec tout le public qui marche dans les couloirs et tout. Donc, je vais vraiment essayer de vous faire quelque chose de bien, bien stylé. Désolé si aujourd'hui vous n'avez pas eu un vlog de ouf, même si c'était pas vraiment un vlog, je vous ai juste parlé face cam. Parce que voilà, j'ai tout à préparer. D'ailleurs, il n'y a pas encore tout qui est prêt. C'est 2h du matin, j'ai fini mon stream il y a 1h, je me suis douché. Enfin, bon, bref. Voilà. Donc, on se retrouve du coup à la Paris Games Week toute cette semaine. Mercredi à dimanche, j'y serai. Dimanche, je partirai peut-être un petit peu plus tôt. Je vous tiendrai au courant sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre. C'est juste Wartech sur Twitter. Vous allez me trouver. Je suis certifié, tout ce que vous voulez. Donc voilà, on se retrouve du coup à la Paris Games Week, les amis. N'hésitez pas à venir me voir. J'essaierai dans le maximum des meilleurs des cas de faire des photos avec vous et de m'arrêter pour discuter avec vous. Mais c'est très compliqué parce que ça crée vite des émeutes. C'est pas parce que je suis super connu, mais c'est juste que quand une personne me reconnaît, il y en a peut-être 5, 6, 10, 20 et ça crée rapidement des amas de gens et la foule attire la foule. Donc après, ça devient juste ingérable et après, c'est la sécu qui vient. Bon, bref, c'est pas drôle quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je vous dirai où je suis et je ferai mon maximum pour essayer de venir vous voir. Et j'espère que cette découverte de Paris Games Week avec moi va vous plaire. C'est la 4e année que je fais la Paris Games Week. Donc voilà, je suis toujours très content de vous voir, c'est un salon qui est génial. C'est assez fatigant, hein, les journées sont assez longues, mais ça me fait toujours très plaisir de vous voir là-bas à Paris. Et puis bah, écoutez, c'est la fin de cette petite discussion, je dirais pas vlog. Et on se retrouve du coup demain pour la première journée de la Paris Games Week. Ciao ciao tout le monde.